Rendons hommage à nos héros. Tel est, à juste titre, en cette année 2016, le thème de la journée que nous avons l'honneur de célébrer. Je profite de cette occasion pour saluer la reprise de la coopération entre la MONUSCO et les autorités de la RDC, particulièrement la reprise des opérations coordonnées entre les FRDC et la force de la MONUSCO. Ce qui va certainement contribuer à améliorer la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Je suis heureux de vous informer qu'en ce moment même, la MONUSCO est en train de soutenir l'opération Oussalama de la FRDC qui vise à neutraliser les groupes armés qui massacrent les populations innocentes dans la zone de Béni. Je saisis également cette opportunité pour adresser notre sympathie au gouvernement et aux populations affectées par les exactions de ces groupes armés. Je tiens ici à vous assurer que les efforts de neutralisation des groupes armés seront poursuivis et intensifiés dans les jours et semaines à venir et font partie d'un effort plus large visant à réduire les conflits dans le nord de Béni, relever les défis politiques et sociaux dans la région et promouvoir la stabilité.